Et bienvenue sur la chaîne Cinephonix, c'est Mr. Phonix qui va vous présenter aujourd'hui donc le Kingzone N5 qui vient tout juste d'arriver. Donc un smartphone de 5 pouces, la dernière nouveauté de chez Kingzone. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas sorti grand chose depuis le Z1. On va dire que c'est le grand frère du N3 et N3 Plus. Donc on va déjà regarder le contenu de sa boîte et on fera le tour de la bête par la suite. Donc une boîte colorée, comme vous pouvez le voir. Le film que nous avons déjà retiré pour faire les tests de ce smartphone. Et si on regarde tout de même au dos, donc on voit ses specs. Donc, vous voyez qu'au niveau des fréquences, on est en 1.3720 pour la 4G, on a la bande 900 pour la 3G. En termes de mémoire, on a 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. On est sous Android 5.1, c'est un bon point, et un écran JDI, donc de la Japan Display. Donc, il est par contre en HD 720p, donc sur du 5 pouces, ça me paraît plutôt bien. Donc ils disent qu'il est très fin et on a des bords, donc des bords d'écran autour qui sont très fins. On verra ça aussi. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? Que on a une caméra arrière de 13 mégapixels avec un autofocus et 5 mégapixels à l'avant aussi avec un autofocus. Une batterie, vous le voyez, de 2600 mAh, il est 4G. Donc, pour rappel, les grandes lignes de ce smartphone, donc c'est un écran IPS, donc a priori avec un toucher très sensible. Il est Gorilla Glass avec un écran à la mode en 2,5D, donc incurvé sur les côtés. Un cadre fait de métal, donc tout autour, bien entendu, puisque c'est un cadre. Hot Note, donc la fonctionnalité de chez MediaTek qui vous permet de transférer des informations de téléphone à téléphone. Il est Bluetooth 4, il a un Windows Function avec un flip cover, Wi-Fi et GPS, GPS GLONASS. Donc voilà pour la chose. Et donc si on regarde maintenant le contenu, c'est typiquement donc du Kingzone où il y a quand même pas mal de choses dans la boîte. Donc premier point, un chargeur prise européenne avec vraiment prise européenne, donc bonne chose. Donc on a ici un casque, donc avec ici la prise de contrôle de l'appel intra-auriculaire. Est-ce qu'il est logoté Kingzone celui-ci? Non. Bon, bref, de toute façon, peu importe. Plus personne n'utilise les casques comme ça, je crois. Un câble USB, micro USB, rien de particulier. Donc, les bons points, c'est les petits cadeaux. Donc, un back cover, donc en silicone, un vrai silicone. Donc, voilà. Hein. Plutôt bien. Un flip cover.
qu'on ne colle pas, mais qui remplace la coque arrière. Très bon point de la part du Kingzone là-dessus. Parce qu'il est vrai que les choses qu'on colle sur l'arrière du téléphone, c'est plutôt pas terrible. Je trouve ça plutôt négatif, moi, de mon côté. Un protège-écran ici. Hop. Que vous pouvez mettre ou ne pas mettre. L'écran est Gorilla Glass, donc est-ce que ça a vraiment une utilité? Je ne suis pas sûr. Et un petit quick start, plutôt bien détaillé, avec voilà, des schémas. Ils expliquent, pardon, le Octnote, comment cela fonctionne-t-il. Donc les différents capteurs, où est-ce qu'ils se situent sur le téléphone. Voilà. Et puis on rappelle, bon, voilà, un petit guide très rapide. Mais le bon point, c'est les petits cadeaux fournis avec le téléphone par Kingzone. Donc, on ferme ça et on va regarder donc le téléphone et on va placer ça, bien entendu, différemment pour que vous puissiez voir correctement le téléphone et ses fonctionnalités. Et avec le téléphone bien face à vous, on va commencer tout de suite par le tour du propriétaire de ce Kingzone, donc N5. Donc, rapidement, hein, parce que c'est toujours la même chose. Sauf que les boutons ici, volume plus, moins, sont séparés. Donc ici, le bouton power, on, off, volume moins, volume plus. En bas, donc, le micro. Sur le côté gauche, ben, il n'y a rien. Et sur le dessus, donc la prise USB et le jack 3.5. Sur l'arrière, donc le capteur, la caméra de 13 mégapixels, flash LED, simple LED. En bas ici, donc le haut-parleur. Sur le devant, donc l'autre haut-parleur avec la caméra ici. Et ici, vous les voyez bien. On les voilà ici, les capteurs de proximité de luminosité. Donc les boutons ici Home, Android, le bouton menu, le bouton retour. Donc des boutons non rétroéclairés. Par contre, par rapport au prix, certains diront effectivement il ne doit pas avoir grand chose, mais si, il y a quand même une LED de notification, contrairement à certains autres téléphones qui pour plus cher n'en offrent pas. Et alors, ce téléphone, moi, il m'a bien plu, parce qu'ils ont fait des petits efforts de design, et si vous regardez bien, je vais rester là et je vais zoomer, comme ça, je bougerai le téléphone. Donc, vous voyez ici, le haut-parleur est rond, avec sa petite grille au fond, donc qui fait que ça protège de la poussière. Si on va en bas, le bouton Home est rond. On tourne à, donc le téléphone. Là, simple LED, donc là le flash, il est entouré d'un petit cadre en métal doré et il est rond, bien centré par rapport à la caméra. Et ici en bas, vous avez le haut-parleur qui est lui aussi rond. Donc si on ouvre ce téléphone, on va retirer donc la coque arrière qui se retire d'ailleurs assez facilement. Donc vous avez la batterie. Ici, donc, hop, je pose le téléphone. Donc, si vous voyez bien, donc ils annonçaient donc 2600 mAh. Voilà, bon, 2600 mAh. Nous avons fait le test de la batterie. Ça correspond à une batterie de 2600 mAh. Donc, petite chose intéressante, et on testera ça au niveau son. Le haut-parleur, vous voyez que a priori il y aurait deux petits haut-parleurs et ils annoncent que c'est un haut-parleur avec traitement Yamaha. Donc nous ne l'avons pas testé, on le fera en direct live avec vous sur cette vidéo. Donc après, classique, hein, il est double SIM plus carte micro SD ici au milieu. Donc vous avez l'antenne ici 4G en haut à gauche, en haut à droite vous avez tout ce qui est antenne GPS et Wi-Fi. Voilà, après c'est du grand classique. Alors ils annoncent que le cadre ici alu, enfin moi ce que j'appellerais un cadre alu,
Ils indiquent sur leur site et puis aux revendeurs et autres que le cadre, attention, c'est de la technologie spatiale. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà, c'est costaud. Honnêtement, bon voilà, il va se tordre parce qu'on force, mais voilà, il faut vraiment forcer pour qu'il se torde. Donc, il n'y a pas que le... C'est vraiment tout un châssis qui est en métal, donc c'est plutôt un bon point. Et contrairement au teaser où on annonçait le test du Kingzone N5, malheureusement, vous voyez que l'écran marque bien les doigts quand même. Alors, est-ce que c'est à force de l'essuyer? C'est vrai que la première fois que l'on a mis nos doigts sur l'écran, ça n'a pas marqué. Bon, maintenant, ça marque très facilement. Bref, donc, on va allumer ce téléphone. Et on va regarder donc les différents tests de bench que nous avons utilisés sur ce Kingzone N5. Rapidement, son poids, comme on vous l'a dit, il est très léger et on va vérifier son poids de suite. Vous allez voir ça, voilà, 150 piles, voilà, un smartphone de 150 grammes. Il est connecté en Wi-Fi sur notre borne Wi-Fi. Donc, nous avons installé nos différentes applications. Ce que l'on peut regarder tout de suite, c'est les résultats en Antutu puisqu'ils ont tourné. Un score classique puisque, pour rappel, c'est un CPU MT6735 et avec, bien sûr, le processeur graphique, le Mali T720, donc du grand classique pour les smartphones actuels en provenance de Chine. Donc un score non vérifié parce qu'il n'arrivait pas, Antutu n'arrivait pas à se connecter pour le Kingzone N5 sur son serveur. Et bon, un score non vérifié mais de 18332. Donc bon, rien de particulier, c'est du grand classique. Donc au niveau du rang, bien entendu, on est tout en bas. Hein, 6735, s'il fait pas, c'est pas une bête de performance. Et donc rapidement, donc vous voyez que c'est un P, donc il est à 1 GHz en donc 720p HD avec une caméra arrière donc 13 mégapixels. Au niveau de la RAM, nous sommes à 2 Go de RAM et au niveau du stockage, nous sommes à 16. Donc vous faites la somme des deux plus quelques RAB qui sont pris par différentes applications installées par Kingzone. Ils ont fait deux partitions. Bon, c'est un peu dommage, j'aime pas trop ça moi personnellement, mais bon, c'est comme ça, qu'ils ont procédé. Et donc on vous dit bien, hein, il est 1 GHz, donc c'est le petit processeur MT6735. Voilà pour ce score en tout. Au niveau du GPU Bench, donc voilà ses scores, 16579, toujours stop à la pub, voilà, donc un score de 16000 et mesuré une moyenne de 40 frames par seconde pour ce Kingzone N5, rien d'étonnant, Mali T720, petit processeur, petit GPU, bon c'est quand même pas mal, 40 frames par seconde, ça vous permet quand même de jouer correctement à des jeux. Bon, certes, il faut pas utiliser les plus gourmands, mais voilà, c'est plutôt dans la moyenne. Voilà, donc il est plutôt bien, comment dire, bien paramétré et une ROM plutôt
par rapport à d'autres smartphones, encore une fois de plus, ça me fait rire, mais d'autres smartphones qui coûtent plus cher, avec des ROM où vous êtes obligé de passer deux ROM successives pour avoir un téléphone qui fonctionne. Lui, il y a une petite mise à jour au départ, une mise à jour de 30 mégas, et ça fonctionne parfaitement, et on n'a eu vraiment aucun souci avec ce smartphone. Donc au niveau du screen test, vous allez voir, j'ai cherché les défauts. On va se rapprocher si vous voulez bien voir vous-même. Donc on a cherché les défauts, j'en ai pas trouvé. Donc un très très bon écran. Et en l'occurrence, ça provient de chez JDI, donc ça m'étonne pas trop. Donc là, Kingzone a fait très très fort sur cette petite config qui est, me semble-t-il, à 139 euros ou en commande en Chine à 100 euros. Mais vous rajoutez les taxes ou des frais de port et surtout les taxes en entrée. Mais sinon en France, voilà, à 139,90 €. Donc franchement, très fort, un petit 4G, nickel. Vraiment super ce Kingzone N5. Donc vous voyez que le noir est très profond, digne d'ailleurs d'un écran AMOLED, vraiment un noir noir. Les gris, bon bah voilà. Le rouge, il n'y a pas de souci. Les couleurs sont très très bien rendues, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, on a vérifié les pixels, pas de pixels morts. Donc les niveaux de gris sont juste parfaits aussi. Donc les niveaux de couleurs sont, comme on l'a dit, juste parfaits. Bon, voilà, rien de particulier. De ce côté-là, vraiment un écran nickel au niveau des couleurs, au niveau du rendu. Pas taché, donc il n'y a rien du tout. Donc vraiment, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Et un smartphone qui ne chauffe pas du tout. Il reste, quoi qu'on fasse, assez light au niveau de la chaleur. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à redire sur tout ce qu'on a fait. Il n'y a pas eu, de souci. Donc au niveau du test de la batterie sur Geekbench, donc version 3, alors, j'aimerais qu'il me donne les résultats. Donc, petite batterie. Hein. Donc, qui dit petite batterie, bien entendu, 2600 mAh. Voilà. Donc là, on est connecté directement hein, sur le site de chez Geekbench, où on stocke les informations. Il a tenu 7h20, voilà, donc obligé de le recharger dans la journée, c'est un peu son défaut. En même temps, si vous regardez son épaisseur, il est vraiment très fin. D'ailleurs, on va mesurer son épaisseur, c'est pas, on n'a pas de pied à coulisse chez nous, mais c'est juste, voilà, il fait quoi, 7 mm, voilà, en gros, hein, on va arrondir. Pas besoin de finesse là-dessus, en gros 7 mm, donc il est fin, donc pas d'une grosse batterie. Donc voilà, 7h20, donc un petit score au niveau de la batterie. Derrière, vous avez le détail, et nous, ce que nous avons vu, c'est que, comme souvent sur les batteries, en l'occurrence sur les plus petites, à la fin, ça va très très vite pour se décharger. Donc voilà, une batterie qui a tenu 7h20. Par la même occasion, vous pouvez voir qu'avec ces nouveaux processeurs, le défilement donc sur les pages web ou même dans des applications est voilà, instantané, très rapide avec l'accélérateur au niveau du doigt. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà pour Geekbench. Ensuite, donc au niveau des fréquences intégrées dans ce smartphone. Donc, au niveau des band modes, SIM 1, donc il n'y a que le GSM. Oups, retour. Et donc, au niveau de la SIM 2, donc vous voyez que vous avez la 3G, donc WCDMA en 900, bande 900. Et sur la 4G, donc la 1, la 3, la 7 et la 20. Et voilà, ils ont renseigné uniquement ces fréquences-là, donc c'est tout bon pour nous ici en France. Il n'y a rien à redire aussi de ce côté-là.
Ensuite, nous, ce que nous avons regardé au niveau des vidéos, donc c'est un écran 720. Mais écoutez, une fois de plus, c'est un écran JDI, donc vous allez voir qu'il n'y a aucun souci sur la qualité des vidéos. Il est très lumineux. Il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. On va ignorer la pub dans quelques secondes. Voilà. Et on va laisser charger la vidéo. On va se mettre sous le meilleur angle. Voilà. Là, franchement, on voit que la définition de cet écran est juste magnifique. Avec une vidéo en Ultra HD, on voit vraiment la qualité quand même de cet écran. Même si la diffusion, bien sûr, sur l'écran ici est en HD, mais on voit juste qu'il est très lumineux, une superbe définition. Il n'y a vraiment rien à redire de ce côté-là. Je vous laisse encore quelques secondes pour admirer. Voilà la grenouille. La langue du serpent, on la voit parfaitement. Donc vraiment, il y a zéro défaut sur ce smartphone. Vraiment zéro défaut. Donc on va faire un petit test pour la caméra pour que vous puissiez voir la prise de photo. Donc tout de même un bon point, enfin oui et non, l'écran donc est très sensible, mais donc l'ensemble des applications donc se place page par page et à vous créer donc des dossiers pour organiser vos applications par préférence. Voilà, bon, ça reste classique. Donc au niveau de la caméra. La caméra, je la cherche, je ne la trouve plus. Donc on va aller directement. Donc oui, je disais quand même, donc à vous d'organiser. Mais eux, Kingzone a laissé donc quasiment la ROM d'origine, bien qu'il l'ait transformée un peu au niveau des icônes. Vous avez quand même tout de même le menu principal où vous retrouvez donc l'ensemble des applications. D'origine fournie par Kingzone, pardon, et donc on va lancer l'appareil photo. Et on va regarder notre petit Phoenix, et vous allez voir que la caméra est très très lumineuse. Elle capte très bien la lumière, sans exagération. Voilà. Une autre avec la lumière de l'autre côté. Voilà. Non, je ne l'ai pas prise. C'est fait. Donc, on va regarder les résultats. Donc, voilà, on va zoomer. Vous voyez que le piqué du métallisé sur l'aile, par exemple, est... voilà, là, j'ai zoomé à fond. On est à fond. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de défauts. C'est une caméra qui fonctionne, franchement, plutôt pas mal. Donc, dans l'autre côté, il y a quasiment... Enfin, même s'il y a les projecteurs sur le dessus, on est près d'une fenêtre. Donc, je laisse grande ouverte pour avoir une grande luminosité supplémentaire sur le côté. Et ce qui fait qu'on a un petit contre-jour. Et malgré le contre-jour, voilà, on va zoomer sur sa tête. On est à fond. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est presque du zéro défaut. Hein. Là, il n'y a pas de... Donc le logo N5 avec un flash qui ne se déclenche pas de manière intempestive et qui se déclenche vraiment pour quelque chose, donc qui ne rajoute pas quelque chose de surfait, de surbrillant. Enfin voilà, c'est vraiment vraiment parfait. Et donc un petit jeu pour conclure ce smartphone.
Et on fera nos conclusions par la suite, une fois le jeu effectué. Voilà. Allez, et on y va. Donc vous voyez qu'il y a honnêtement très peu de latence. Bon, on peut voir de temps en temps des légers ralentissements, mais voilà, c'est pas flagrant. Il est plutôt, je trouve que ça ROM et tout ce qui est connexion, communication firmware entre les différents composants est très bien réalisé. Ils ont mis le temps à sortir un nouveau smartphone Kingzone, mais là ils ont sorti très honnêtement un N5 qui est très très bien né. Je trouve que c'est un petit must du moment sur les smartphones premier prix 4G. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, bref, donc il va mettre du temps à s'arrêter, donc vous voyez qu'il n'y a pas de ralentissement. Une petite chose à tester tout de même, puisque vous avez pu voir sur les téléphones plus chers, il n'y avait pas d'OTG. Celui-ci, j'avoue, on ne l'a pas vérifié. Donc on va tester tout de suite. Donc il n'est pas OTG non plus. Voilà. Voilà. Refaire. Non, il n'y a pas d'OTG sur ce téléphone. Bon, c'est pas la mort, hein. Franchement, moi j'utilise rarement, sauf bon, quand même de temps en temps, effectivement, pour les lecteurs de cartes mémoire. Voilà, c'est tout. Donc, petite chose que l'on va tester, que je vais installer, parce que je ne vous ai pas montré la qualité du son. Je vais installer SoundCloud et on revient tout de suite. Voici avec donc SoundCloud. Voilà. On va se connecter. Donc sur SoundCloud, nous allons rechercher nos artistes habituels. Je crois d'ailleurs qu'il était en première page. Oui, voilà. Et on va monter le son. J'ai mis en pause. Peut-être que ce titre manque de basse, on va tester un autre. Non. Bon, un son tout de même qui manque de basse, ça il n'y a pas photo. On va regarder quand même un autre titre. Quelque chose de très électronique, allez à la limite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir? J'en sais rien. Bref, peu importe. Ça. On va tester ça. Donc un son tout de même pas mauvais, qui vibre un peu, mais comme d'habitude dans tous les smartphones, qu'on mette du Yamaha ou autre chose, même s'il est un peu meilleur sur ce N5,
ça reste quand même assez, comment, moi je dirais, vibratoire. C'est-à-dire que c'est quand même. Ça vibre beaucoup au niveau de la coque. Et je pense que souvent le problème, de toute façon, c'est la coque, puisque en plus celle-ci est très fine. Même si elle semble plaquée sur le haut-parleur ici en dessous, bon voilà, ça vibre, mais le son est tout de même pas trop trop mauvais. On a fait le tour donc de ce N5 de chez Kingzone. Donc comme vous l'avez vu, pas de gros défauts. Je trouve même qu'il a des qualités en rapport à son prix affiché. Un très bel écran, très belle définition, très lumineux, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez faire des choses, bon là il a chauffé un peu, mais c'est très 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 léger. Un bon score au final sur le GPU, bon 40 frames par seconde, c'est pas mauvais. Un écran, donc on l'a dit, je le répète, mais vraiment un écran qui m'a bluffé, un écran JDI, donc 5 pouces, nickel. Les scores en toutou du classique pour le MT6735. Et le seul souci qu'il pourrait y avoir au niveau de ce N5, c'est sa batterie. Voilà, on va dire entre 8h et 9h. Donc vous êtes obligé de le recharger, partir avec votre powerbank dans votre sac et le recharger au cours de la journée si vous êtes en dehors et que vous n'avez pas de prise de courant. Bref, de toute façon, vous aurez l'obligation de le recharger, ça c'est sûr. Donc c'est son seul défaut. Je fais bouger la caméra, ça va plus. C'est son seul défaut majeur, c'est la batterie. Après, il a un design avec quelques recherches, voilà, au niveau des petits, donc de ces petits cercles qui encadrent, enfin qui englobent donc les haut-parleurs, la touche donc home, ainsi que le haut-parleur et le flash LED. Plus les cadeaux qui sont fournis dans la boîte, que sont donc le flip cover plus le back cover en silicone. Moi je dis, ce smartphone n'a que du bon et ça mérite un pouce vert. Voilà. Donc pour conclure, pas grand-chose à dire, nickel, parfait et bravo et chapeau à Kingzone pour ce N5. Vraiment chapeau. Surtout en rapport à son prix, je le répète, parce que c'est vraiment très important. Donc, sur ce, bah, écoutez, à plus, à ciao, et bien sûr, n'hésitez pas, le petit pouce vert et à vous abonner pour voir la suite des événements. Un nouveau teaser devrait arriver parce que nous avons encore reçu des nouveautés et il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, à plus et à la prochaine. Ciao!